une femme âgée résidant dans une maison de retraite et en lassant une infirmière protégée par une bâche en plastique après 5 mois d'isolement. Ce cliché, pris à Sao Paulo en août dernier, en pleine pandémie de Covid-19, a valu au Danois Mats Nissen de recevoir le prix de la photo de l'année. Ce qui m'a vraiment touché dans cette photo, la raison pour laquelle je l'ai soumise au jury, c'est parce qu'elle a un côté noir, mais pas seulement, elle montre les deux côtés. En ce moment, au Brésil, la crise est énorme. Le président Bolsonaro n'a pas arrêté de la négliger. Nous voyons 3 ou 4 000 personnes mourir chaque jour en ce moment. C'est donc une situation vraiment dure, sinistre. Mais dans cette horreur, dans cette souffrance, je pense que cette photo apporte aussi un peu de lumière. Discrimination aux États-Unis, conflit au Haut-Karabakh ou explosion à Beyrouth. Au total, 74 000 clichés avaient été soumis au jury du World Press Photo, qui avait déjà récompensé Mats Nissen en 2015 pour son image d'un couple homosexuel en Russie.